Hey, salut tout le monde, c'est quoi, Magus? Bienvenue sur Pro Cycling Manager 2019 pour la carrière Pro Cycliste. Nous sommes le 31 juillet 2020. Et bien, tous les trans. Toujours au niveau 12. Oh là là, putain, plus que 216 points. Il nous aura accès à plein de courses. Voici donc les notes actuelles de Quam. Ça commence à devenir sympatoche, hein. Avec 67 en plat, 80 montagnes, 80 vallons, 72 contre-la-montre, 72 prologue, 58 pavés. 74 sprints, 78 accélérations, 68 descentes, 63 barres d'erreur, du ressenti, 76 descentes, 73 récupérations. Début du pic de vent pour Quam sur ce tour de Portugal. Et au final, je me suis aperçu que le tour de Portugal était assez pourri. Enfin, pas pourri, mais pour le montrer en vidéo, en tout cas, c'est pas super génial. Car oui, enfin, voilà quoi. Alors. Donc du coup, alors celle-ci, je voulais la montrer parce que c'est l'étape, voilà. Mais au final, je me suis aperçu, alors je l'ai pas projeté, bien sûr, mais voilà, c'est pas super intéressant au final. Celle-ci, non plus. Celle-ci, voilà, il y aura donc celle-ci, donc la cinquième étape, hein, 143 km avec une arrivée quand même au sommet, donc pourquoi c'est bien. Celle-ci, je voulais la montrer, mais c'est une petite côte à mon avis, et ça finit en descente, je sais pas. Ouais, ça ferait peut-être deux étapes. Celle-ci non, celle-ci non, celle-ci oui. Donc en fait trois étapes, voilà, trois étapes et le chrono, bah, je ne le montrerai pas, donc du coup, celle-ci non plus. Voilà. Donc trois étapes seulement sur 11, je suis désolé pour ceux qui voudraient voir plus sur un tour. J'aurais dû choisir le tour de Pologne, hein. J'ai hésité à annuler mon tour de Portugal pour aller sur le tour de Pologne. J'aurais dû en finale. Hein. J'aurais dû. Alors, vous voyez que j'ai 39 points, mais il n'y a aucune course là sur la fin de saison qui m'intéresse, quoi. La Bourg, bah non, c'est du sprint. Plouay, bah ouais, non, c'est du tout petit vallon, ça m'intéresse pas spécialement. Alors, j'hésitais entre Québec et Montréal quand même, mais non, ça finit en descente et tout, donc c'est pas très intéressant non plus. Donc, au final, bah, je vais garder mes points pour la saison prochaine. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit. Le Tour de Portugal sera la dernière vidéo de cette saison 2. Hormis bien sûr le bilan que nous ferons et les transferts que nous ferons dans la dixième vidéo. Voilà, sur ce, je vous laisse là et je vous dis à tout de suite. Donc sur les routes du Tour du Portugal, on va quand même aller voir qui est présent sur le Tour de Portugal quand même. Alors, briefing. Ouais, alors déjà, déjà, il n'y a que ça comme équipe. Okay. Patrick Conrad, attention à lui quand même. Patrick Conrad peut être un gros adversaire pour moi et ce sera le seul. Ok, bon. Ok. Donc il n'y aura a priori que Patrick Conrad à surveiller. Mikel Nieves, mais bon voilà, ça reste Mikel Nieves. Hein. Aru est là, mais bon, Aru n'est pas. Voilà. Costa. Ouais, bon. Bref. Très peu d'équipes, en tout cas 11 équipes seulement, hein, donc ça fait très peu. Non, 3, 6, 9, 12, 13 équipes, pardon, excusez-moi. Bon, bref. C'est parti donc pour le tour du Portugal. Let's go. 11 km de l'arrivée sur cette deuxième étape du Tour de Portugal. Et quoi, mec, son beau maillot de champion de France. Eh oui, nous ne l'avions pas encore vu, ben le voici, le voilou. Alors que ça attaque devant avec Pinto, pardon, excuse-moi. Et bien sûr, toute la clique attaque, hein, bien sûr, tout le monde le savait maintenant. Quand un coureur attaque, bien sûr, nous avons 12 coureurs qui attaquent, c'est tout à fait logique. Bref. Mais il est bien parti, là, le petit Pinto, là, devant, là. Ah, il est bien parti. Il va falloir qu'on roule quand même, parce que... Ouais. 20 secondes d'avance, quand même, le petit Pinto, là. Ah, ça, il se range. Ah bon, d'accord, pourquoi pas. Rosberger, Johan, mon casque, merci. Allez, bientôt les 5 derniers kilomètres. On va suivre. Non, on va suivre personne. On peut suivre personne. Donc, Moins 3 pour Quam, en tout cas. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. Moins 3. On peut toujours pas suivre quelqu'un. Non, pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'une étape de vallon, peut-être. Il estime que non, on n'a pas à suivre quelqu'un. Bon. On va se calmer un petit peu là. Mon accélération est bonne, hein, 72, 78 en accélération, donc pourquoi pas. Oh putain, je suis mal passé là.
Ah non, je lancé. suis Ça va très vite maintenant. assez. On arrête de sprinter. Et on relance maintenant une fois que la bosse est passée. Et ça devrait le faire. Yes! Victoire de quoi, Moingus? Ta Oh, puissance mérite une superbe victoire. J'ai joué des mains de maître, là, vous avez vu. J'ai commencé à sprinter. Dans la montée, je me suis arrêté, j'ai mis mon petit curseur. Et dès que la montée était terminée, hop, j'ai re-sprinté. La course est jouée, mais les Parfaitement attardés du parfait. jour parviennent Je pile la seulement calade, j'ai au appris sommet. qu'on a des quatrièmes. Thomas, mon équipier, troisième, bien joué. Luc Rowe est là. Carlos Verona est là. Mécanivet, bon voilà. Ah, une belle victoire en tout cas pour quoi. Thiago Machado, tiens. Voici maintenant les meilleurs moments et les On y moments croyait, où hein, vous Thiago avez posté Machado, vos et au diamants pour final, avoir bon, votre voilà. attention. Victoire française sur ce tour du Portugal. Pourquoi? Ça me rapproche de plus en plus du niveau 12, tout ça, je vous le dis. Au général, je suis 5e à 12 secondes. Mais ça va changer. Javier Moreno, tiens, qui est leader. 12 points supplémentaires, nous sommes à la moitié du niveau. Putain, comme il l'a écrit en gros. L'objectif final, oui, c'est de remporter le. Bon, bah, ça, ok, d'accord. Pourquoi il dit que c'est mauvais? Alors, attendez. Remporter le classement général final. On est d'accord, final. Pourquoi il me dit que c'est médiocre, pas mauvais, alors que nous sommes qu'à la deuxième étape? Bah non. Il ne devrait pas le mettre ça. Ah oui, provisoire, excusez-moi. Hop, 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 hop. Quam, je n'ai rien. Je n'avais pas vu le mot provisoire, donc ils ont raison, c'est que pour l'instant c'est mauvais, entre guillemets, vu que. Voilà, okay. D'accord. Bref. Passons tout de suite à la suite de ce tour du Portugal. Mais au passage, nous sommes le 1er août 2020, c'est l'anniversaire de mon meilleur ami. Voilà. Il regarde pas mes vidéos, hein, car il regarde pas du tout ce genre de vidéos. Mais je lui fais un petit coucou, c'est quand même mon meilleur ami, ouais, c'est normal, donc c'est son anniversaire, donc voilà. Allez, à tout de suite pour la suite de ce tour de Portugal qui s'annonce passionnant. Nous sommes à 11 km de l'arrivée sur cette cinquième étape. Nous sommes à la, ouais. Cinquième étape du Tour de Portugal, maillot blanc, quoi. Alors j'étais moins 3 de forme, hein. Oui putain, ça fait C'est mal. sur de tels pourcentages Qu'est-ce que que je voulais l'on dire? peut costaudement creuser un écart. J'étais protégé par Thomas, car nous étions plus que Dès que deux le premier maillot dans le vient groupe. de franchir le panneau des 10 derniers kilomètres. Et plus personne ne me protège. Genre, je suis pourtant leader quand même, hein, mais bon, non, vous savez que. Bon, non, quoi, on ne te protège pas, écoute, pas besoin, hein. Tu te débrouilles tout seul, tu es très bien tout seul. Démerde-toi comme ça, mon petit gars, ce n'est pas grave. J'ai quand même 4e au général, hein, pour info. Et Thomas, avec son plus 4, m'aiderait bien à me protéger, hein, mais bon. Tant pis. Écoutez, on va essayer de faire avec ça, hein, voilà. On va essayer de faire avec ce que nous pouvons. En fait, Yoann, il vient me voir que quand je tourne, j'ai remarqué. Quand je tourne pas, il vient pas spécialement me voir. Ouais, c'est marrant, quand même. Ouais, c'est marrant. Allez, bref, 6 km de l'arrivée. Mais arrête de me bloquer, la sommerie de merde, là. Enculé. Pardon. Mais arrêtez de me bloquer, putain! Laissez-moi passer, bordel de merde! Alors, on va m'attaquer. Est-ce qu'ils vont me suivre derrière? Ouais. Petite attaque de quoi? Sa chance tout près de l'arrivée Allez. maintenant. Les coureurs entrent 5 km dans de les 5 l'arrivée. derniers kilomètres de l'étape. C'est du vallon, hein, je vous rappelle, hein, ce n'est pas de la montagne. Hein. Et je me suis rendu compte d'une chose au final, c'est que je suis venu dans l'équipe pour courir avec Ilnur Zakarin, bien sûr, Peter Sagan aussi, et Tish Benoit. Je m'aperçois, alors j'ai couru un petit peu avec Ilnur Zakarin, mais pas du tout avec Tish Benoit ou Peter Sagan. Je n'ai pas du tout côtoyé, quoi. Je me suis aperçu de Les ça. coureurs sont maintenant dans un passage Aucun intérêt dangereux. ai-je Ils eu à sont venir loin ici, de faire finalement, dans meilleur cette équipe. avant. À part être en World Tour. Voilà, si, oui, voilà, c'est vrai que ça m'a permis de faire des courses World Tour. C'est vrai. Bref. 1 km. Vas-y, bloque-moi, enfoiré. Oh, je La suis mort. sélection par l'arrière se poursuit. Encore des coureurs qui se font lâcher. Ça y est, le Je sprint suis approche. dead, je suis 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 dead.
Mais je vais quand même remporter cette étape. Magnifique victoire. Devant Patrick Conrad, Pogacar. Magnifique victoire sur ce Pogacar. sprint de Pogacar. course. Enfin, ce nom, à chaque fois, j'arrive pas à le dire. Pogacar, pourtant, il n'y a pas de 36, hein, La voilà. course est jouée. Bref, victoire de Quamengus avec son moins 3 quand même. Bah, écoutez, sans bloc, Magnifique. sans rien en plus. Proprement. Proprement, tranquille. Merci à Thomas, qui du coup il fait combien Thomas là? Il fait rien, il n'est pas là. Ok. Spilak, quatrième. Hein. Toujours chez Katusha lui. Hein. En même temps, c'est normal. Voilà. On verra la saison prochaine. S'il est encore là d'ailleurs, parce que Simon Spilak il doit être tout jeune, maintenant depuis le temps qu'on le voit quand Voici même. Je ne sais maintenant pas. les meilleurs moments de la course. On se rapproche du niveau 13! Oui, moi pour moi il n'y a que ça. Je fais ce course aussi pour ça, c'est pour m'approcher du niveau 13. Hein. Oui mon bébé, Bogukia mon Yuan, Bogukia mon petit caca. Ou balle mon caca. Ouais, papa il arrive. Attends, papa il arrive. Ouais, mon caca. Mon caca qui veut regarder papa faire ses vidéos. Allez, 177 points, plus que 130, 23 points à mettre. Bah voilà, classement bonne, ouais. Bon, voilà, premier, objectif d'étape, parfait, tout va bien. 30, 21 points seulement, certes, c'est une petite course, hein, c'est peut-être pour ça. Ensuite, on se retrouve sur l'étape de montagne, la dernière étape de cette vidéo. Je simulerai jusque la fin, je pense. Je vais peut-être pas les jouer, hein, non, dans un intérêt. Et après, on verra. Voilà. Et après, je vous dis, ce sera la dernière vidéo, ce sera les bilans et les transferts. Voilà, sur ce, rendez-vous tout de suite sur les routes montagneuses du Portugal. La montée va être longue, nous sommes à 29 km de l'arrivée. Avec un col divisé en deux parties, une là, trois parties, voire quatre parties, enfin bref, en plusieurs parties quoi. Thomas va me protéger après, j'espère, Le rythme hein, petit con. imposé est rarement soutenu. Il va 6 minutes falloir d'avance tenir pour bon. l'échapper devant. Est-ce que cela suffira? Je ne sais pas, je ne sais même pas combien coureurs devant. Je ne sais pas. Alors, est-ce que vous me pardonnez, mais je vais le faire en x2, hein, parce Cette que route bon, j'ai pas envie de classement passer de non plus de route 3 heures, c'est né entre guillemets que le tour du Portugal. Alors, certes, ce serait une victoire en plus pour moi, ce serait cool, hein, je ne crache pas sur une victoire sur le tour du Portugal. Je ne ferai pas affront à Thomas, qui est devant, voilà, qui est portugais, donc il est chez lui, hein, nous avons plusieurs portugais dans l'équipe. Almeida, Carvalho, Thomas, voilà, donc pas mal de portugais, donc du coup, c'est leur tour à eux, hein, ça fait plaisir de le faire pour C'est eux. Et clair, c'est vrai qu'en l'équipe plus, est c'est en partie battue. pour ça que je l'ai fait. Aussi parce que c'est un grand tour. Il y a quand même 11 étapes, hein, c'est quand même pas rien. Bref, 6 minutes 40, hein, ça augmente encore. Ça roule fort devant. Ils sont 5 devant, d'accord. Il y a qui devant alors? Oh, Fernandez. Ça rappelle le souvenir, ceci. Rubén Fernandez, putain. Rappelez-vous ma carrière. Oh Poussé putain, ralenti, Rubén Fernandez. le centre Ah ouais, en tête du gros peloton. souvenir. Bref. 20 bornes encore de montée, hein, c'est quasiment que de la montée. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. J'ai un petit, oui, donc j'ai un petit zéro, un petit zéro qui me donne un moins un, ça va, un moins un en sprint, bon, voilà, moins un en plat, bon, c'est pas Nous trop sommes gênant à vu le final de 15 km de l'étape. l'arrivée. Moins un en contre-la-montre et prologue, on Nous s'en sommes branle, beaucoup à hein, suivre forcément, l'allure hein, infernale. voilà. Attention, une attaque de Mettre un Fernandez. petit, on mettra un petit foison ici là, là ouais, après, là quoi. Fernandez est beaucoup avant. Allez, on va augmenter un peu l'allure maintenant. Il reste quand même 14 bornes hein, seulement, donc on va quand même essayer. Si on veut remporter l'étape, il faut quand même qu'on accélère un petit peu. Enfin, on accélère. Oui, non, excuse-moi, c'était une blague. Pardon. En plus, avec mes bruitages de mort, ça fait mal à la tête. 5 minutes 50, bah 6 minutes même d'avance encore, hein, décidément, on n'arrive pas à reprendre de temps sur les hommes de tête. Alors bon, peut-être que c'est pas assez costaud, c'est comme du 6%, malgré tout, c'est pas rien. Alto Dattore! Allez, allez, allez! Les coureurs franchissent un Ah ouais, c'est passage long, hein. Il y a délicat. 12 bornes, Le non, t'en niveau fois 2 là, c'est d'endurance trop long supérieur sinon. à 10%. Ah ouais, non, Les quand même. coureurs approchent de l'arrivée. Ils Pas viennent de exagérer non plus, franchir quoi. le panneau des 10 derniers kilomètres. 5 minutes 30 toujours. On ne reprend rien. Ça serait frustrant d'ailleurs de rouler comme ça et de ne rien reprendre. Alors que nous sommes à 10 km de l'arrivée. J'ai plus de bidon.
Oh putain, c'est léger. Va peut-être dû envoyer Thomas chercher un bidon. Tant pis, tant pis, tant pis, on assume comme d'habitude. Allez, 8 bornes maintenant. On augmente encore l'allure. 4 minutes d'avance pour les hommes de tête. Merci Thomas, c'est fini pour lui. Tu auras tout donné, mon petit Thomas. Allez, vas-y, mets-toi en automatique. Fais ce que tu veux de ta vie. 20 coureurs dans le peloton. Ah, je vois que là, ils suivent pas trop, ils prennent pas ma roue, donc j'attaque. Ah oui, il y a un petit écart, donc Ça se là, bagarre bon. à l'avant. Les coureurs 2 entrent minutes dans la 50, ah, course. ça y est, là, il y a Si encore on 5 tente bandes un de montée, enfin, c'est pas vraiment de la montée, au final, vous avez vu, le final est assez facile, à part la petite côte à la fin. 5 km. Pour l'instant, la sélection s'opère par l'arrière. Mon jeu, je vais pas le mettre maintenant, je Parti vais encore attendre un d'attaque, tout petit peu. peut-être l'échappée décisive. Alors on va le mettre maintenant, je ne sais pas si c'est le bon moment ou pas, ce n'est pas grave. 10 coureurs seulement dans le sol, 6 coureurs maintenant. Avec Simon Spilak qui est là. Hey, hey. Ouais, ils vont gagner devant, je pense. À une minute d'avance, ça devrait suffire pour eux. C'est parti pour Et l'emballage. malheureusement, pour lui là, pour Villela, dommage, c'est Patrick Conrad qui va remporter cette étape devant Spilak Il swing tout en et puissance. Quamungus qui veut lui Superbe voler la coureur. troisième place. Ouais. Les retardataires Bien joué continuent Patrick de Conrad, bien joué s'activer. Spilak, bien joué Simon. Quam troisième, bon bah voilà, tant pis. Après j'ai beaucoup roulé, hein, je voulais absolument, voilà, bon après voilà, c'est bon, c'est pas grave, hein, le principal est fait quand même par rapport au classement général aussi. Je suis avec Patrick Conrad et avec les autres, donc il n'y a pas de problème. Moins 5 de forme quand même pour Quam. Tiens, moins 5 me donne qu'un moins 1, moins 1, moins 1. Ok. Parce que je suis. Ah, parce que j'ai mon pic de forme, je crois que c'est peut-être pour ça. Ouais. Parce que là, moins 5, je n'avais pas vu. Non, ben là, pas moins 5, mais non, j'avais 0 de forme. Le moins 5 parce que l'étape est terminée, donc il met moins là, vous voyez. Quam, Quam, Quam. Oui, non, mais des fois, Quam, mais. Il comprend pas les choses très faciles, hein, vous le savez. Hein. Et voici maintenant la sélection des meilleurs moments du Bien jour. joué, Patrick Conrad. Bien joué à lui. Coup double pour Conrad. Merde, il prend le maillot Conrad. Ah, enculé. Pardon. Ah, dans le même temps, et c'est lui qui parce qu'il a gagné l'étape. Donc, du coup, c'est lui qui est devant moi. Ah là là. Mais on contrôle la montre, il est bon, lui. Ah, bah, il est comme moi. Pardon. En fait, on est un petit peu similaire comme coureur, hein, un petit peu. Ouais, vite fait, quoi. Ouais, bon. Bref. Bon, du coup, ça va me rapporter quoi, ça? 6 points, bah ouais, bah oui, je sais, écoute. Et bah, c'est la fin de ce. En plus, là, c'est un chrono après ici, puis là, c'est une étape de plat, donc, bon, bah, Patrick Conrad va remporter ce tour du Portugal. Dommage, putain, je voulais le remporter. Et ben non, c'est raté. À moins que il se passe quelque chose, je ne sais pas. Je sais pas si je vais les jouer ou pas les étapes. Nous verrons bien. Sur ce, moi, je vais vous laisser là. Non, je vais quand même vous montrer le résultat final. Oui, allez, à tout de suite. Quatrième au général, Quamungus sur ce Tour de Portugal. Bon, Thiago Machado, tiens, qui est devant moi, et les deux Autrichiens, Conrad et Mühlberger. Le contre-la-montre m'a fait très très mal. Ouais, une sale note. Bon, bah voilà, j'ai rien pu faire, malheureusement. Tant pis. Alors, du coup, Froome prolonge, aujourd'hui, bon, on s'en branle un petit peu de tout ça, on verra ça plus tard. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve maintenant, eh ben, comme je l'ai dit comme je l'ai dit depuis quelques temps, on se retrouve ici, c'est où? C'est là. On se retrouve le 24 octobre pour, ah ben non, il y aura peut-être des transferts à voir quand même, ah ben oui quoi. Donc il y aura les transferts plus le bilan, nous verrons ça, tout ça, dans la prochaine vidéo, ce sera la 10e de la saison 2. Ça fait quand même 17 vidéos qui sortent là, c'est quand même pas mal en tout. Plus peut-être le Tour de France, je vous le dis à chaque fois, mais parce que je tourne en avance, hein, parce que je ne sais jamais si je vais avoir le temps ou pas le lendemain, donc je tourne en avance. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures sur le Pro Cyclist. Ce sera donc la vidéo bilan plus transfert. Si transfert il y a, eh oui, car je peux peut-être rester chez Huygens, nous verrons bien. Allez, à la prochaine.